Jean-Claude Dumas, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être l'invité de Dimanche Politique. On va montrer sur vous direct. Qui bien fait sûr. Le MMM? Donc, effectivement, question bien directe. Et Mofin quitte le MMM le 23 septembre 2016. Moti fait une conférence de presse quand on énumère tout bon, ben, une raison qui me pousse moi vers la démission de toutes les instances du MMM. Essentiellement parce qu'il m'éprouve un désaccord profond avec le leadership du parti. Qui fait juste à un moment-là, docteur, comme si tu veux dans ma conférence de presse, bien on est spécial, du mal, il pose question, tu as un grand sourire, là, il y a mon désaccord profond. C'était une chose, hein, ça, pour dire, sa conférence de presse, ça, c'était une chose. Hein. La conférence de presse, mon présent, oui. Mais ne pas exprimer nous dans la conférence de presse. On va assister. Mais c'est la façon de faire du parti qui est comme ça, qui aime du monde causé. Donc, il ne fallait pas nous prendre la présence dans une conférence de presse comme obligatoirement un signe du fait que mon papa réfléchit par moi-même et vienne de l'avant avec l'idée qui m'a fait dire, qui fait une poussement vers la démission. Qui ça m'a l'idée là, ça? Essentiellement, on peut dire qu'il m'a remis en cause le bilan, m'a remis en cause la capacité du leadership de Paul Béranger et m'a posé une question par rapport à le résultat électoral qui nous fait gagner dans le passé, qui tout le monde connaît, mais c'est moi, probablement, ne pas faire la synthèse du bilan, ne pas mettre défaite après défaite côte à côte et nous tirer une conclusion. Probablement, ça c'est réel, tout le monde militant et tous les membres du MMM dans toutes les instances, depuis ce comité central, ce bureau politique, ce bureau exécutif, faire une autocritique et surtout finir un culte de personnalité par rapport à Paul Béranger. Écoute, personne par rapport, même si tout le monde trouvait qu'il y accumule défaite. Mais personne ne va pas dire. Et donc, maman fin décide, pour venir de l'avant, mais remettre sa principe sacro-saint de Paul Béranger, leader MMM, défaitiste, en cause, en question. Il y a quelques mois, là, peut-être en janvier, il va remettre son leadership en question. On ne va pas prendre une soutien, ou une vote oui, ou une vote non, ça va rester dans le secret. Mais déjà, puis au politique, il y a non, laissez continuer. Donc, vous êtes d'accord. Non. Peut-être que vous êtes en désaccord, mais vous êtes en rentapé dans le flou. En fait, mon pourrait place ou dans le contexte historique, pas fini à voter en janvier. Le vote, c'était au décours des élections 2014. C'est une élection comité central. C'est une élection du comité central qui n'est lui un bureau politique après une fin exécutive. Paul Béranger s'est reconduit comme leader à ce moment-là. Et au décours de ça, nous finissons dans l'élection municipale. Élection municipale, nous finissons gagner un raclé comme on s'amène, et même une gagnée dans le passé, 120-0. Et nous avons dit qu'après une défaite élection générale, Un municipal, il n'a mal gagné parti. Pour moi, une défaite, c'est jamais normal. Une défaite, c'est une défaite. Une défaite, bien, tire bonne conséquence d'une défaite. Et fin 2015, fin d'année du MMM, outil présent, je me rappelle bien, demain, Anna, Paul Béranger a annoncé que l'année prochaine, l'année du MMM 2016, il dit surtout qu'il l'IPU a levé la formule 3 ans, 2 ans. 3 ans, 2 ans, 3 ans Premier ministre chez Paul Béranger, 2 ans en le timon. Pour moi, c'était l'ouverture. C'était l'ouverture vers une forme de renouvellement du parti, à la tête du parti. C'est déjà un début de renouvellement, parce que dans le comité central sur l'élection, beaucoup de militants finissent à envoyer un signal. Paul Béranger, c'est le premier, effectivement. Deuxième, Steve Obigado. Troisième, Kavira Mano. Et dans les... En quatrième et dixième, il y en a 5-6 jeunes personnes.
Jeune militant. Eh bien, ancien militant, Malan Garnou, Rajesh Bhagwan, Church, de l'autre côté 15-20. Donc, ce qui fait qu'il va être militant, tu finis à envoyer un signal qui nous envie de trouver un nouveau dimon. Qui n'est pas fini d'interpréter correctement. Quand nous finissons 3 ans, 2 ans, mon fils interprète ça comme une volonté de. Une stratégie du leadership pour finir affiche une forme de renouvellement et la suite un dimon qui vous présentez qui est capable de découvrir le parti après Boule Béranger. Pour moi, c'était le début de la réflexion de l'après Béranger. Pas le fait qu'il nous pédiait pour il y a 3 ans, 2 ans. Un ou 2 mois après, Boule Béranger fait volte-face, retourne en arrière et ne pas avoir la face, c'était pression d'un militant fanatique, pression une certaine forme de pression communale qui fait que, parce que c'est évident que quand il fait 3 ans, 2 ans, c'était Paul plus N, très probablement N2. Pas du bien. Bon, on pourrait dire. Non, c'est, non. C'est quand il y a un annonce dans un fameux dîner là, ben, nous ne commençons pas, ni tu peux penser, soit à Jarganes ou. Une bon, pensez-moi, la balance, tu boutons en faveur de Pradip Dia. La balance, personne ne m'a dit d'un même, à la Mopédia, ils ont dit la balance, tu boutons en faveur de Pradip Dia. Donc, et qui partit pour une mauvaise chose. Pour moi, partit pour une mauvaise chose dans le MMM, si un jeune professionnel, hindou, ben, tu gagnes l'opportunité. Arrive à la tête du parti. Donc, quand nous finissons reculer l'eau là, pour moi, c'était un signe qui, le MMM, ancré toujours dans le passé. MMM obnubilé par ben, une rhétorique qui, et qui nous pas prenait à l'avenir. Parce que, une formule qui nous ne sait pas le Béranger, Premier ministre, c'est toute formule. Mais ça ne va pas de même, non? Et aucun pas de mort. Aucun pan de mort. Donc, logiquement, si nous n'avons pas bon sens, mais nous bien présente à l'électorat une formule qui peut marcher devant. Mais, est-ce qu'il peut. Ou un site de bureau politique, est-ce qu'il quand il y a une discussion, nous avons déjà pour Béranger, l'option pour Béranger comme Premier ministre, 3 fois essayer, 3 fois pas de mort, c'est pas viable. Dernière élection, je trouve aussi, c'est. C'est ben, ce que je dirais qui n'a pas l'ethnicité de Paul Béranger, des amis Paul Béranger, pas Premier ministre dans le pays. Je ne vais pas dire ça, je vais dire courage, parce que dire, le parti est démocratique, les discussions sont franches. Ce qu'il dit dans ma conférence de presse, mais est-ce qu'il. Je crois qu'il dévoile des droits de secret. Je ne vais pas dire ça, c'est ça le plus important. Le bureau politique est très complaisant. On est déjà dit. Très complaisant par rapport à ce qui peut lui ranger. Et ça, nous, moi, je me suis dit, quoique moi, je suis tout seul et je suis content que je ne réussisse pas mes responsabilités à un certain moment, dire Paul Béranger qui peut-être les meilleurs qui lui prend un recul. Peut-être qu'il est meilleur qui lui retire lui comme leader, laissez-le évoluer et dans l'hypothèse. Qui le parti révise lui dans le futur, mais le parti va révéler lui. Pareil comme Aniro Jack, n'a rien fait en 2003, mais il retire lui comme leader du MMM, même il a le président, mais c'est mort. L'histoire, il prouve nous qu'il y a un monde qui est Premier ministre, qui ne vient président, mais il est capable, retourne dans l'arène politique, faire la politique active et revient Premier ministre. Si disons, le MMM, s'il acceptait le retrait de leader, du leader, une cause leader. Il y a une autre problématique, mais oui. Qui s'est-ce que vous venez leader de l'opposition? Bon, c'est le MMM, avec outil de le MMM à cette époque. Qui s'est-ce que c'est le profil, comment dire, pour venir leader de l'opposition, étant donné qu'il se tient en supériorité numérique au Parlement? Est-ce que tu n'as déjà, si tu tiens Paul Béranger vient d'être député de l'opposition. Et si tu as un dimon qui a une idée de l'opposition pour la présidente? Paul Béranger est des autres malades. Nous connaissons bien l'histoire, nous avons revu nous là. Il nous retire comme leader de l'opposition à l'année dernière. Et moi, je suis honnête.
pour dire qui Alan Garnoud fait très bien. Donc, mais Alan Garnoud, tu remplaces lui et tu as pas le bon résultat. Pour moi, personne n'a pas un cavalier sans montant seul. Nous facile dire qu'il peine à personne pour rendre de tels postes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que tant que nous ne mettons pas un tribunal à l'épreuve, il n'est pas pour récifier. N'importe qui député qui n'a pas fait le travail de leader d'opposition, voilà mon pédiatre. Il prenait une période d'apprentissage. Il n'est pas mon vocation. Actuellement, je pense que non, je vous propose, moi je vous dis non, parce qu'il y en a même qui n'a plus l'expérience que moi. Mais dans l'hypothèse qu'un jour, me confronter à une situation, moi j'apprends tellement beaucoup d'affaires dans les autres domaines que moi j'apprends vite. Qu'est-ce qui s'est passé, ça? Et bon, pas seul comme ça. N'importe qui s'en a, si vous poutrez une lit, il vous fait une semaine, deux semaines, un mois. Deux mois après, il pouvait être bon. Qui me passe au fait s'asseoir dans le régional là? C'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a un accrochage. C'est qu'il faut le faire aussi, il y a une conférence de presse pour un peu alimenter un peu. Et le régional, mais même, c'est pas mal régional, tout repos. En fait, le MMM malade de ce ban régional. Le MMM, en coup, il fonctionne sur le même mode qu'il peut fonctionner en 76, 82, 83, etc. Donc, mon pensée, si on dit, si moi dis, mon petit régional, qu'il est capable, l'autre 30 du monde, il n'a juste dès qu'il a un compte Facebook. Bon, vous avez dit au plus. Donc, c'est assez. Il y a un gros décalage, car D3. Qu'il y a un compte Facebook. Je communique beaucoup sur Facebook. Comment on communique mon régional? Pour créer un sens de mentalité du monde. Je vais donner un exemple avec la jeunesse pour comprendre ce que je peux dire. Aujourd'hui, le MMM malade de ce ban régional. Ban régional MMM, c'est une machine d'exclusion plus que chose. Aujourd'hui, il est bien plus facile pénétrer dans la Maison Blanche qui va intégrer une régionale MMM. Parce qu'il y a une régionale MMM où il y a une grading. Et pour vous dire, moi, il y a des bords là, parce que moi, je suis militant 76. Donc, il y a un bord, moi, je suis militant 82. Il est bien plus facile pénétrer dans la Maison Blanche qui intégrer une régionale MMM. Mais une régionale MMM, il y a une machine d'exclusion. C'est-à-dire qu'il y a une race qui, je t'appelle, je suis même militant Colter, qui, je pensais, je suis propriétaire parti, et je pense, je t'ai aveuglé, je n'ai pas trouvé qu'il n'a même pas pu progresser, et pas pu fédérer, je n'ai pas pu l'expression intégrer. Donc, c'est un gros problème. Donc, ça, je vous dire, dans le régional, dans la base, on a plusieurs écoles, là, c'est-à-dire qu'il y a une école 76. Ben, l'époque, un peu strauss-kiss du MMM, après il y a un peu le côté centriste, après un peu le côté mélange, c'est ça que je veux dire. C'est une beauté, une partie, mais c'est moi, il n'est plus une beauté qu'une partie, il a paralysé par ce système-là. Une partie, il y a un courant d'expression, un courant d'idées. Mais c'est moi, il ne faut pas qu'un certain courant paralyse la progression du parti. Un parti politique, la base, il est fédéré. Les faisaient fédérer le plus grand nombre qui se bat l'adversaire pour qu'il y ait une élection. Parce que l'élection, c'est une simple mathématique. Nous faisaient gagner plus de votes que l'adversaire. C'est tout. Si le parti se bat l'instance, peut essentiellement exclure du monde, mais le parti-là, ça met pour fédérer. C'est ça. Le MMM malade de tout ce monde régional. Non, pas vous, c'est un gros caillou, là, un gros lambeau. C'est ça. C'est ça qui. C'est-à-dire que dans sa soirée-là, ce qui peut dire, c'est qu'il balance dire comme ça. Ou tu disparais au terrain, ou pas tu es au terrain, déranger une dialogue dans sa conférence de presse, mon père reprend son mot. Ou pas tu es au terrain. Ou un politicien de ça. Donc, qui vous dira? Bon, pas répondre à ce type de critique-là,
Parce qu'ils m'ont trouvé que c'est un mécanisme de défense, de défense. Et la question qu'ils m'ont posée, c'est le bilan, le résultat, l'aptitude à continuer à diriger. Donc, mon façon de faire politique dans mon circonscription, comme mon élu, qui me présente depuis 2010, n'est pas lié à sa débat. N'est pas lié du tout à sa débat. Si moi, un politicien qui parle au terrain, effectivement, 2019-2020, le mot électorat, ah, va juger moi. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Mon électorat va juger moi. D'ailleurs, moi, je vais faire une première sortie publique dans mon circonscription lundi le 10 à Grand-Bois. Dans l'hypothèse qu'il y ait un politicien salon, prenez moi tout seul. Dans le salon. Beaucoup de monde dans le MMM, la base, m'a mis à côté, ils ont bien choisi à un moment-là, étant donné que mayonnaise pour le congrès d'anniversaire, 46e anniversaire, je vais monter, on a envie de faire mayonnaise à tout. En fait, moi, je prends ma décision, moi, pour démissionner, date qui m'a démissionné, par rapport à aucun Particulier. agenda, sinon que c'est un agenda que moi-même, moi, me tiens en conflit avec mon conscience. Depuis quand? Vous connaissez, moi, je ne suis pas capable de causer avec les militants des autres qui aiment même Marifo. Nous pouvons fédérer, nous pouvons venir, nous pouvons gagner en puissance, nous pouvons le président Paul Béranger, 5 ans pour venir, nous pouvons gagner, nous pouvons mettre de pouvoir. Pourquoi tu les fais ça? Parce qu'il me connaît, il pas vrai. Il n'est pas vrai parce que, à la base, peut-être moi, je connais plus que les autres. Qui fait parce qu'il est député rural. Moi, tout seul, élu d'une circonscription rurale de MMM, Zodi, depuis 2014. Et en 2010, pas de personne. Vous vous rendez compte, en 2010, ça fait 7 ans, MMM, un député région rurale. En 2014, une guerre. Moi, par contre, numéro 14. Numéro 14, c'est une circonscription semi-urbaine. Il commence depuis Cité Kennedy, il y a jusqu'à Suriname. Donc, il y a une composante urbaine dans 14. Une circonscription purement rurale, c'est 5 à 13. En 2010, nous n'avons pas aucun député. Personne n'a tiré conséquence. En 2014, il y a 10 mois. Et moi, je connais, moi, qui fait. Comment ça va région-là qu'on peut électoralement. Donc, précisément, on a le soutien du PTA, parce que c'est l'alliance du Parti travail, c'est le soutien du Parti travail, c'est le seul député rural du MMM depuis 7 ans. Définitivement, il a le soutien du PTA, mais pas seulement, parce que sinon les autres candidats, si vous avez lui aussi, il n'a pas de mot vote. Comment vous expliquez ça? C'est-à-dire qu'on a un aura là-bas, pareil Définitivement, bizarre, il marque les esprits, puisque moi, tout seul, il est élu. Ramassé Tarnen, qui est un ténor de la politique, qui a beaucoup plus d'expérience que moi, et qui arrive de la circonscription, malheureusement, il n'est pas élu, et Pradip Itambot, PPS, député speaker, et élu plusieurs fois, mais ici, il n'est pas élu. Donc, on ne Donc, laisse pas ça à travers moi, il passe à à travers. travers une vague. Oui, mon passe, mon surmonte un raz-de-marée. Donc, ça, c'est ben, le résultat de l'élection. On ne va pas revenir là-dessus. Mais, comme on peut dire, okay, mon parti a envie à raconter ben, une bêtise à ma militant. Parce qu'il dit mon propre crédibilité qui est en jeu. C'est pour ça que je démissionnais 2 jours avant le congrès. Est-ce que c'est une décision mûrement réfléchie, ça? Et depuis qu'on peut réfléchir à ça? Peut-être, mûrement réfléchi, oui. Exactement depuis quand, bon, pour retracer moi-même. Non, Mais ben, du tout, il installe dans mon esprit depuis un bon bout de temps déjà. c'est-à-dire, Peut-être quelques mois. après l'élection comité central, Non, depuis. après le dîner de 2014, Probablement, non, 2015. probablement les 3 premiers mois de cette année. Qui ça, Mais quand on retourne en arrière, comme on dit, 3 ans, 2 ans. Donc, là, on finit de trouver qui. 3 ans, 2 ans,
Tipu est une solution qui est présentable. Quoique pas gagné. Mais nous ne pouvons pas payer des faits. Nous ne pouvons pas payer des faits. Parce que le Mondial de l'élection 2010, Paul Béranger présentait au Premier ministre 5 ans. Et même, tu sais, une PSI, une monde reste de parti, une guette droite devant, il n'y a pas de problème. Oui. Mais c'est vrai, il ne fallait pas nous confondre. Le parti cultive l'idée qu'il n'y a pas d'accord, présente Paul Béranger, Premier ministre 5 ans, et MMM à tout seul, ça veut dire que ça va dire qu'on a pas d'accord. Je suis banque capo. Je suis d'accord, je suis défaitiste. Je ne suis pas d'accord avec ça, moi, du tout. Je pense, moi, dans le calcul politique, dans l'élaboration d'une stratégie politique, ou bien prendre en compte. Bonne défaite, bonne stratégique, bonne moi aussi. Il ne faut pas une obstination. Vous êtes flexible. Pour moi, dans la politique, le parti plus important qui le leader. OMMM, le leader plus important qui le parti. C'est ça. Et ça c'est ça que le bon militant fait rire. C'est le mal de tous les partis, on a dit. Nous pas parlons cause des autres partis. Nous pas partis dans les autres partis, mais dans une partie. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que nous avons une partie qui est faux, une partie qui est idéologiquement faux, et le parti désigne un cadre qui roule le parti selon l'idéologie du parti. Est-ce qu'il y a même une idéologie maintenant? Oui, une idéologie extraordinaire. Mais c'est bon. Il y a une grande confusion entre l'intérêt du MMM et l'intérêt du Paul Béranger. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'intérêt du MMM, c'est trouver une formule pour que le MMM vienne au pouvoir. Avec ou sans Paul Béranger. Donc, et l'intérêt de Béranger, c'est quoi? C'est Vigne Premier ministre. Tant Vigne Premier ministre, même s'il y connaît, qu'il est suicidaire. Justement, Poutine a une relation privilégiée avec Paul Béranger. On a accompagné à Paris pendant ce moment de faiblesse, maladie ou cancer. Mais on posait la question, on est un peu étonné qu'après une relation, il commence à brouiller. Quand sa relation commence vraiment à brouiller? C'est pas. Permettez-moi de dire que mon palais fait un mélange de mes relations personnelles avec Paul Béranger et la stratégie politique qui m'a servi. Donc, je ne vais pas commenter là du tout. Il n'y a pas une question de relation personnelle brouillée. Et moi, j'apprends des affaires avec Paul Béranger, lui-même personnellement, parce que je me côtoie lui pendant beaucoup de temps. C'est que quand nous réfléchissons en termes politiques, nous ne pouvons pas mélanger les sentiments. Nous sommes cliniques. Il y a un but, il y a un but à atteindre, il y a un résultat pour gagner, et si nous ne pouvons pas élever ce résultat-là, ben nous nous trouvons contre le marabé. Et nous pas, à mon nul équerre, politique nous fait avec sang-froid, politique fait avec un jugement, et nous pas mélange pas de sentiments. Et si on a un problème avec Reza Houtin, un bon renseignement qui se sert au débat, il y a un problème avec. Jamais moi fin gagne une prise de bouche avec Reza Houtin, jamais moi pas fin gagne aucun problème personnel au lit, quoique moi pas adhère complètement à sa façon qu'il fait politique au Parlement, mais moi qui n'ai aucun problème personnel. Il m'a dit déjà que tu es impliqué dans l'ébauche d'une alliance avec le MSM, c'est où que tu es un peu le pot de l'eau, c'est vrai? Pas cette fois-ci. Quand tu es quand tu es arrivé, je pense que tout le monde, beaucoup de monde qui est impliqué dans le MMM, avec dans le MSM, connaît qui est parmi les gens qui sont d'avant-plan entre Sarnier ou Diagnat et Paul Béranger. Mais c'était à l'époque, mais cette fois-ci, non. Tout dernièrement, dans le journal, mon cher, on a une interview là, il y a qui est un qui est pour l'Alliance politique travailliste. In finale, on va confirmer si tout le monde qui est pour l'alliance qui n'est pas de travail, c'est même je tourne un peu bien ici en cause. Ben, reste pour lui ranger même.
Le leader a assumé une conséquence en effet. Si on peut rappeler les leaders. Le président, vous faites une première sortie. Qui va dire ou ban militant, ou ban curieux qui pour venir. C'est moi qu'on a une grosse attraction médiatique autour de l'actif. Ou bien vous faites les tranquilles, tranquilles. On sent qu'on explique vraiment à tête reposée au lieu qu'on a un cadrage vraiment médiatique. Tout à fait. Un pas exclu. Pas parce qu'il. L'immédiatique, pas parce qu'il prenait beaucoup du monde, beaucoup curieux, qui m'ont pas expliqué. Donc, mon conscient des trois. Prenez la presse, prenez un man curieux, prenez un man militant, mais moi, mon prix explique bien. Vous dire toutes les raisons qui m'ont fait dire où, qui fait mon démissionner, et moi, en phase avec les mandants. C'est-à-dire vous. Mon bout David, ça qui est de vos pensées, et moi, en phase avec mon mandant. De la circonscription numéro 13, qui est représentatif de la circonscription rurale. On fait une étoile depuis une démission, disons, on laisse un peu l'histoire passer, moi, toujours une cause de radio. On fait une bonne présence médiatique, mais moi, stratégie politique de la circonscription, évidemment, moi, vous dire où. Mais moi, pour causer le 10 dans la circonscription. Qui la suppose, je ne pas faire une partie ou l'intention de faire quelque chose parce que il y a beaucoup de monde qui disait ça, on a fait un suicide politique parce que à moins qu'il y ait une bonne partie qui est à droite ou à gauche. En fait, pour un nouveau contour politique, pour dessiner certainement. Et il est là pour prendre vos décisions. Mais tant qu'il y a un nouveau contour politique n'a pas dessiné, je ne vais pas prendre aucune décision, je vais rester député indépendant. Quand tu opposes le contour là, c'est pas une jacquette, tu es une premier ministre? Pas nouveau contour, est-ce que vous aussi allez pour une premier ministre? On attend une passation de pouvoir, on attend une réaction sage. Donc il y a tellement d'incertitudes qui, voir impose moi, vine de nouvelles incertitudes dedans. Laisse pas l'incertitude dissiper, et là, moi, je vais dire un petit peu plus. Comment tu vois un peu la situation politique actuelle? Nous qui t'aimons même de côté, PMSD, le gouvernement, les petits partis comment se monter. Comment tu vois un peu la situation là? La situation politique, il y a assez confus parce qu'il y a sa incertitude par rapport à l'annonce de Sanirou Diagna qui est pour aller. Mais c'est moi qui ne pas dire quand. Vous pensez, à partir du moment où les clarifier, ma affaire pour plus stable. Ou pas bêtant de man, ban non, vous pouvez pas en contact avec personne. Mais c'est un contact, vous? Non. Parce que vous avez déjà une poste de l'heure des mères au départ, ou peut-être vous avez une cause une poste de ministre de la Santé. Donc, c'était le lendemain. Une fille arrive presque 3 semaines. Donc, presque un mois, bientôt. Et donc, non. Mon parcours en plus du monde qui m'a obligé à causer. Le MP est contacté, on a beaucoup quand même. Quand on trouve, déclaration dans un journal, etc. Non, mon pas, mon bien. Réfléchi en ce moment, moderne phase de réflexion. Que vraiment, on vient mettre mon combat au renouvellement de la classe politique. C'est ce que je veux dire. Donc pour moi, l'important, mon gain. La bataille quand nous réussit à trouver un système qui prenne un renouvellement de la classe politique. Et sur l'intention de faire un propre parti politique, c'est un peu. On connaît tout seul, mais. Il faut dire pas tout seul pour faire un parti politique. Pour le moment, tout seul. Ou pas unique député indépendant, on a Daniel Servan, vous avez Daniel Servan, créer une synergie. Moi, pas encore que ça, mais possiblement pour que ça. Il est possible qu'il me pour. Mais selon moi,
Moi, je suis tout seul avec Mme Danielle Selvon, comme député indépendant dans le Parlement, quand Parlement pour répondre. À mon avis, pendant des heures. J'ai même pas connu. Je pas connu du tout, pourquoi mais je pense. Je tellement sûr. Je pense que le discours qui m'a fini tenir, lit un discours qui beaucoup de parlementaires souffrent de ça. Donc, ce matin, j'ai fini écouter Rafik Chourifan, que l'Indien y a des accords avec Alain Gano. Donc, c'était à la radio. Donc, vous pensez que le MP ou PP explosé? Peut imploser. Bon, c'est juste leur problème politique à l'intérieur. Donc, si vous avez la peau de Rafik Chourifan, un peu nous en dire qu'Avi Ramani aussi n'est pas dans des bons termes, après ni dire tout le contraire. Donc, nous avons créé un autre parti dans le Parlement. Aucune vision pour le moment de Al faire une nouvelle force politique. Sinon que si il y a plus de parlementaires, nous capables exprimer nous dans la direction d'un mécanisme pour qu'il y ait un renouvellement de la classe politique automatiquement. Si jamais vous pouvez dire moi arrivé, on gagne docteur sur les fans, on gagne ou même ou bien Daniel Selvon, je donne l'optique que si je mors avec le poste de Ramanis, je paye, retire le poste de leader de l'opposition à Paul Béranger. Parce que vous visez un cacle qui s'en commune ça. Et si vous rentrez là-dedans, bien vous dites non, pas tous Paul Béranger. Parce que j'ai l'impression que l'optique du MP actuellement dit non, pas tous Paul Béranger. Ça, parce qu'il y a un peu trop frontal. Avec des si, on peut refaire le monde. Et comme si... on écoute Paul Béranger dire si Anne Roudjagnat, partir avec un moulin, l'équipe au pouvoir en 2010, on dit avec des si, on peut refaire le monde. Mais par quoi dans si? Mon couloir Saint-Thomas, je crois ce que je vois. Le jugement est dans 5 semaines, nous allons dire qu'on peut rentrer au Parlement, pourquoi la même place hein? On nous prépare au long de l'attraitement pour rentrer, c'est-à-dire vous pouvez être droite, pour ne pas vous croiser, déranger, pour ne pas vous filer, n'importe qui s'en dans vos places directement. Ah, comment expliquer pour donner vos places? C'est mon coup d'œil. Un petit peu plus salarié maintenant. Je n'ai pas encore réfléchi à tout ça. Je n'ai pas encore réfléchi, mais bon. Bon, on pourra suivre nos décisions. C'est pas une affaire. Mais tu vas prendre du monde pour bizarre. C'est vraiment pas un problème. Sitting arrangement dans le Parlement, c'est le dernier de mes soucis actuellement. Mais travaille pour continuer, c'est-à-dire pour pas appeler contrôle personne, vous n'allez pas poser cette question-là. Parce que non, jamais, il faut dire que jamais personne ne va poser cette question. Donc, mon pour continuer mon travail de député, comment moi tu peux faire du parlementaire? Et personne ne va dire ou démissionner ou voter, mais même vous avez tout ça à manifester. Moi, j'entends ça, oui, mais vous avez tout votre bon travail ici. Parce que le lendemain de la rupture de l'alliance avec Parti Travailliste, dans la même logique, tout le monde si vous avez démissionné. Vous prenez une autre question, Lola? Qui n'arrive-vous? Non, mais... Oui. Non, mais... Vous n'avez pas ça, Richard. Qui m'a une vraie raison? On a déjà divorce, une grosse bataille. Nous connaissons qui s'en fait la une de la presse. Et le lendemain, mais... Qui vraiment India? Parce que... Non, India, que c'était Ramoulam le responsable. Donc, c'est pour ça, une PSD. Mais pour Ramoulam, c'est responsable? En partie. Mais en gros? En partie là, c'est une grosse partie, une petite partie, en tout. Mais, c'était le projet qui était pas, mal vendu. Le produit était mal vendu. Produit mal vendu, communication peut-être pas assez, pas bonne, timing pas bon. Et voilà, mais bon, on ne peut pas refaire l'histoire. Produit n'a pas de mort, c'est tout. Avec le préfet, moi, comment un match qui ne finit pas c'est. C'est un moment aussi important. Je suis content que Marcel prenne un goal, qui a été goal, il nous a commenté après le commentaire. C'est ça commenté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis à voir, pour nous faire commenter. Là, je trouve un peu l'opposition qui dit que Pravin Jagnat, lui, le Premier ministre, c'est une escroquerie électorale. Ou d'accord ou pas d'accord. Comment le passe-moi? Quand il y a une cause là, c'est une incertitude. C'est Ramoulam qui me dit ça. Oui, oui. De l'autre côté, on a tout Béranger aussi. Puis comment on se dit, ah non, il va aller.
Mais c'est pas fini, mais c'est pas après l'élection. C'est un peu. On va aller pour commenter ça parce que le mécanisme qui fait qu'il prend une journée pour réussir une première ministre aujourd'hui, c'est le MMM et le MSM qui fait au pouvoir en 2000. Qui le président capable de nommer le premier ministre. Donc, je confronte Benjamin qui peut causer, retourne tout un petit peu en arrière dans l'histoire. Mais comment vous dire, vous prenez pas que vous pensez pour dire aux philosophes, vous pouvez répéter, il y a certaines faits depuis 2000, capables de changer, il est bien entendu. Je renvoie la question, je réponds à la question par une autre question. Si demain, on est au Jagnat, où est le premier ministre décédé? Carrément. Quand il y a une élection partielle, parce que la première fois, pas arrivé là. Non. Non, élection partielle, c'est une affaire. Prime ministership, c'est une autre affaire. Généralement, la Constitution prévoit que le leader du parti qui peut contrôler la majorité, il prend le premier ministre. Donc, ça suit la Constitution. Si nous pensons la Constitution pas bon, c'est qu'ils pensaient que la Constitution pas bon, mais quand il vient au pouvoir avec trois corps, il s'en lit. Vous pensez qu'il y a un parti qui a gagné trois corps dans les années? N'importe quand un parti qui a gagné trois corps. C'est le peuple qui décide. C'est pas moi. Ou tu es un bon opposant de l'Alliance des peuples. Quand tu vois un peu la situation, comment tu vois un peu la situation là? Quand tu vois qu'il y a certaines pays dans ce dîner. Confusion. Confusion. Pour moi, le maître mot, c'est confusion. Mais au voisin, c'est le numéro 3 du gouvernement, tu peux causer un peu politique ou bien tu dis bonjour, bonsoir, salut, ça va. Enfin, nos voisins, pas, je suis à papier, ils ne paraissent là-bas, ni lui ni moi. Donc, ils ne pas jeunes aussi souvent, nous causer, mais ils ne pas jeunes trop souvent. Vous regrettez ça? Pas jeunes, pas chez NVPM? Non, il y a sa activité, non. C'est pas une question de regretter. Ou... Mais tu vois, tu dis, ça bon, où tu poses, italien, tu as un petit voisin, par exemple, tu habites de près ou de loin, il y a pas chose à dire. Un peu ça, il y a pas chose à dire, l'effet que tu n'as pas d'espèce. Moi, je pensais que c'est un amalgame. Vous connaissez, nous tous un voisin. Nous tous un voisin de Maurice. Mais pas parce qu'il y a un voisin qui est dans une compagnie qui est compétiteur en haut. Si vous travaillez à MCB, vos voisins travaillent à State Bank, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas monter à Molly. En politique, c'est pareil. Dans une certaine copropriété et dans une dirigeant politique, qui côtoie les autres dirigeants politiques. Dans Riverwalk, nous avons un leader de l'opposition et un premier ministre qui arbitre. Un miracle, c'est pareil. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Un premier ministre habite à côté. Nous ne pouvons pas aller en piète le droit fondamental à l'individu pour y habiter. Côté en vie. Non, c'est une question qui. Il ne faut pas même pas poser. L'individu, il y a le droit d'habiter côté en vie. Pourquoi? Parce que Varcola, c'est l'endroit des premiers ministres. Je ne peux pas habiter Varcola, je vais habiter Floréal. Pas loin, Floréal, Varcola. Vous pensez que c'est un endroit que le premier ministre n'est? Non, j'en peux. Il n'y a pas Côte d'Ivoire habité. Définitivement pas. Mais c'est un lieu privilégié, vous ne pas dire. Pas obligatoirement, on ne pas trop de ça comme ça. Vous pensez que la prochaine élection, chaque parti vient dans ce. Chacun allait nous mettre, comment dire. Moi, vous pensez, honnêtement, personne ne va prendre tout seul. Donc, tout le monde peut mentir. Qui ramboule un PGN, PL, tu sais, qui est bien sûr. Vous pensez, prenez-moi une alliance de dernière minute. Prenez-moi une alliance de dernière minute. Le bon alliance, nous. Une des affaires où PFL, hein, via certaines. On est encore trop tôt pour anticiper qui pourrait arriver en 2020. Parce que moi, je trouve l'élection en 2020 plutôt. Pas 2019? Ben, fin 2019, mandat terminé le 11 décembre ou le 12 décembre. Le 10 décembre, pardon. Vous pensez pour. Ou les tueurs, c'est qu'ils nous parlent jusqu'à la fin du mandat? Ben, on n'a pas trop raison de faire. Parce qu'il y a un parlement qui faut, il y a un parti qui détenait la majorité, pas eux tout seul, donc sans coalition. Donc, pour quelle raison nous spéculer le fait qu'il y a un parti pas pour qu'un rôle gouvernement termine le mandat. Vous pensez que si chacun allait, chacun dans son coin, nous retournerons
cette situation de 1976 a tenu une élection post-électorale, une alliance post-électorale? Nicolas, tout scénario possible, Jean-Claude, c'est l'électorat qui décide. Donc, si vous avez décidé sous député, on prend une autre partie ou les deux. C'est l'électorat qui peut décider qui les peut voter et qui partie les peut donner une majorité. Donc, au Parlement, vous retournez un peu au Parlement, vous prenez plus beaucoup, vous sentez que vous n'avez plus beaucoup de liberté d'expression, c'est-à-dire que vous pouvez vous côtoyer, vous voyez, tu veux dire, tu peux causer là, tu peux pas causer là, tandis que vous pouvez intervenir parce que n'importe qui, ou bien vous pouvez pour garder ou banni dossier qui. Comme on a l'habitude, pour cause man de ce que vous maîtrisez. Si je ne connais pas les affaires, je ne pas causer. Ou alors, si je envie cause, ça, moi, le document, moi, avant. Et vous pensez. Autrement, il de... vient nonsense. Et si je ne pense qui. Docteur Zubel Djuman, c'est un peu plus actif au Parlement. Un peu plus actif, on va dire, ou pas actif. Plus actif au sein du Parlement pour prendre un débat, poser une question un peu plus. Enfin, je participe à un débat chaque fois que mon dossier-là, intéressant et je comprends de celui-là bien. Question, mais comme tout député, nous avons le droit à poser un certain nombre de questions. Ta question, ta question. Ouais, pas plus. Si Parlement demain, mardi, quelle question tu peux poser? On a beaucoup d'interrogations par rapport au système de santé, même, par exemple. La fièvre aphteuse, si vous posez une question, la fièvre aphteuse. Par exemple, ni possible. Salmonelleuse, fièvre aphteuse, chiffre système, on révine l'OLA sur l'implémentation dans le gouvernement. Plusieurs affaires. Plusieurs affaires qui. Pas une précaution qui nous peut prendre pour prochaine saison la grippe. Nous avons commencé à réfléchir là, c'était la même. Et il y a beaucoup de chèques qui nous commencent. L'hôpital du cancer, quand on est arrivé. On doit connaître exactement qui est le service plus disponible tout de suite, etc. Donc, non, il y a beaucoup de chèques. Il y a beaucoup de chèques. Tu ne sais pas, vous pensez que ça va être une question-là, il a d'importance quand tout réponse dans le journal. Mon cas, quand on prend une question, quand on pose 3 semaines de ça, vous posez des affaires qui nous passent, ou pour que ça a monné l'autre, mon cas, les ministres ont fini de poser. Mais qui est le ministre pour dire de plus qu'il y a dans la presse? Et si c'est un nous ne sommes pas capables d'évaluer les travaux parlementaires à ce niveau pour dire que la presse. Il y a une préséance au Parlement. Non, ce n'est pas le cas. Non, le travail parlementaire, il a sa raison d'être. Et le ministre peut répondre à la question de façon plus honnête possible à l'interrogation du député. Prochainement, pour la télévision, pour faire sur l'antenne, la télévision déjà présente. Mais seulement pour l'un, penser qu'il s'en pousse sans un peu la façon qu'il va le député, mon plus cause. Tout le député pour agir dans le Parlement, pas prendre la main d'affaires, me saute là, bâtir là, c'est pas qu'il a fait. Moi, j'espérais que la diffusion de la broadcasting change le comportement parlementaire. Vous sentez aussi, ou un bon enfant, probablement même. Un bon enfant, vous pensez que la règle voudrait que tout le monde tienne les autres correctement dans le Parlement. Qui fait les autres, je parlais de les C'est une culture qui nous perpétue sur de nombreuses années que mon corps, les peuples n'ont plus envie de trouver. Mais où ça veut dire changer? Où ça veut dire trouver un nouveau système, une nouvelle affaire? Le système est déjà bien, mais bien respecté, c'est tout. C'est-à-dire que personne ne va pas respecter. Bon, bon, c'est moi. C'est un coup d'école, évidemment, le Parlement, c'est un coup d'école. C'est un coup de récréation, même pas des coups d'école. Donc, bon, pensez, nous bien. Tout à chacun, hein, pas seulement le gouvernement ou l'opposition, tout le monde besoin travaille de façon respectueuse dans le peuple. Est-ce que l'opposition qui travaille avec le gouvernement? Parce qu'il y a une différence aussi que le besoin un peu. Mais dans le passé, le MMM, il y a un projet de loi qui nous votait. Mais là,
Nous ne connaissons pas qui peut arriver, qui bande de chez priorité, non, apparemment. Mais c'est pas le moment où vient nous guider. Selon qui de ces priorités pour le gouvernement, là, si vous avez passé un projet de loi, qui ça là, moi, je vous propose au Premier ministre, je pourrais craindre une aide pour dire légiférer la limitation du nombre de mandats de Premier ministre. Ça va. Au région un peu. Inline. En fait, Narine Ramoulam, c'est un job. Parce que lui-même, il fait 3 mandats Premier ministre, il fait challenge pour un 4e mandat, il vient dire d'accord pour limite à 2 mandats. Donc c'est un joke, on va pas prendre au sérieux. Et c'est que moi, on peut dire que pour le renouvellement de la classe politique, paraît c'est un mot dans l'air, mais nous besoin limite le nombre de mandats de Premier ministre et de députés aussi. Pour moi, c'est 3 mandats de députés dans la même circonscription. Là où le groupe de moi, Marie Laporte, c'est-à-dire, on pose dans le numéro 1 pendant 15 ans. Bizarre, on ne peut pas retirer le droit fondamental à un citoyen d'être candidat. Donc, pour moi, bizarre fait la place à un nouveau député dans une circonscription. Donc, bizarre a une forme de mobilité. Si un des mondes est tellement bon comme député qu'il peut rester lui, autant il va mettre ses compétences au service d'une autre catégorie du monde, d'une autre place. Moi, je ne suis pas d'accord. Là maintenant. Donc, et pourquoi Bizan limite le nombre de mandats du Premier ministre? Justement pour qu'il y ait la tête de parti, gagne un nouveau diplôme. Donc, si on comprend bien, si on est élu en 2010, on dit moi. Non, on est élu en 2014. Ça veut dire que des fois, dans la circonscription, troisième fois, vous avez posé Docteur Dumas et Giclé. Docteur Dumas et Giclé, ils ont la notre place. Si Henri Conti fait politique. N'importe que ça. Ça voudrait continuer la politique? On demande si le docteur Dumas veut continuer la politique. Moi, pour arrêter la politique, le jour que je me sentis, je me laisse une trace par rapport à moi. Qui me connaît, qui me fait un certain nombre d'années et qui me laisse une affaire qui vraiment pour Paul Pollampin. Je reviens à une contribution. Elle n'a pas parlé comment Ramson, Lola, Lisa. Non. On ne peut m'opérer aucune plus de prétention. Je fait quelque chose et. Pour moi, une carrière politique, il y a bref mais intense. Et Nadjimoun, j'ai plus tellement depuis longtemps, mais c'est mon bilan zéro. Docteur Jean, vous venez ou bien demander là. Merci beaucoup. À la prochaine pour le rentrer. Et merci. Moi, j'espère que tout marche bien pour vous. Merci beaucoup, Jean-Claude.